particulier. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. En même temps, j'aime bien. Mais chut! Écoutez! S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le maire a quelque chose à vous annoncer. Taisez-vous! Mon père va parler. Merci, Émilie. En effet, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le cinéaste Georges Méliès, qui a tourné un film dans notre village il y a quelques mois, est de retour. Pour faire la fête au village, le retour. Non, il vient nous présenter son film. Aussi, j'ai pensé que vous pourriez organiser un petit événement pour l'accueillir. Toutes les idées sont les bienvenues. On pourrait faire une fête. Une chanson. Un feu d'artifice. Oh non, des manèges avec de la barbe à papa. Pourquoi pas une grande fresque qui représenterait une scène de cinéma? Ah oui! Mais où? Sur le mur près de chez Madame Pinardel. Elle dit toujours que c'est trop triste, un mur si blanc. Oui, j'avoue que moi aussi, ce mur m'a toujours un peu déprimé. C'est une excellente idée, Martine. Oh, bonne idée! C'est nul une fresque, c'est tellement banal. Moi, si je fais quelque chose, ce sera 12 000 fois mieux. Et on peut savoir ce que ce sera, ton truc vraiment original, Madame Je fais tout mieux que les autres? Je ne vous le dirai pas. Comme tu veux, Émilie. Il y aura donc deux projets, celui de Martine et le tien. Voilà, deux projets, un génial et un tout pourri. Tu ne veux vraiment pas travailler avec nous, Émilie? Ce serait beaucoup plus amusant. Pas question. Vous n'êtes pas à mon niveau. Et puis, j'ai une vision personnelle de l'art cinématographique. Et c'est quoi cette vision? C'est ça! Ce sera une statue végétale de moi, un star de cinéma. Je croyais que t'avais horreur du jardinage. Oui, et alors? J'ai jamais dit que c'est moi qui la ferai. Ce sera Vincent! Vincent? Oh, le pauvre! Là, on fait un superbe paysage genre western. Ici, deux cow-boys avec une diligence. Pourquoi ce sera un western d'abord? Pourquoi pas un film d'amour? Parce que dans les films d'amour, il se passe jamais rien. Ouais, et bien dans les westerns non plus. Enfin si, il y a des coups de feu. Pan, pan, pan. Oh, super. Faisons les deux. Un western d'amour. Oui, bon bah, paysage romantique ou paysage western, il nous faudra toujours un escabeau pour peindre les nuages. C'est pas faux. Hein? Je vais en chercher un chez moi. Commencez sans moi. Je te rappelle que je suis la fille du maire. Alors t'as intérêt à faire ce que je te dis. Bon, j'y vais. Et je veux que ce soit parfait. Parfait. Oh là 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 là. Ça va, Vincent? Elle est bien gentille, Émilie. Mais c'est pas évident ce qu'elle me demande. En plus, je le maîtrise pas bien, ce fichu tailleuet. Oui, dis donc, ça m'a l'air vraiment compliqué. Mais bon, je suis sûre que tu vas très bien te débrouiller. C'est gentil, Martine. Bon, allez, c'est parti. Bien dégagé derrière les oreilles. Si je te dis que c'est volontaire, tu me crois ou pas? Ça ressemble, non? Elle va être furieuse. Mais c'est cet engin de malheur. Je sais même pas comment ça marche. Pourquoi tu ne lirais pas le mode d'emploi? Oui, c'est... Puis de toute façon, on n'a pas le temps. Si Émilie voit ce massacre, ça va être ma fête. Attends, j'ai une idée. Voilà. Et en attendant de trouver une solution, on va y poser un panneau interdit au public. Comme ça, personne n'aura l'idée de venir fouiner. Tiens, je te laisse écrire. Écrire? Bah oui, vas-y. Oui, bien sûr. Pour tout te dire, je sais pas très bien lire ni écrire. Quoi?
Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle nous a oubliés ou quoi? Mais non, c'est pas le genre de Martine. T'inquiète pas, elle va arriver. C'est mon secret. Je l'ai jamais dit à personne. Oh, j'ai tellement honte. Ne t'en fais pas, Vincent. Ça peut arriver. Hé, si tu veux, on peut lire le mode d'emploi ensemble. Comme ça, tu pourras rattraper les dégâts. Tu ferais ça? Sûr. Ah bah, c'est pas trop tôt. Bah alors, qu'est-ce que tu faisais? On t'attendait. Où il est, l'escabeau? Ah oui, l'escabeau, j'ai... Oh, j'ai complètement oublié. Écoutez, je suis désolée, mais comment c'est sans moi? Je vais pas pouvoir rester. Quoi? Oui, enfin, j'ai un truc à faire. Un truc super important. Un truc? Elle aurait pu trouver une vraie excuse, au moins. Démarrer le taille-aie grâce au starter situé sur le capot central. C'est quoi un starter? Un starter, ça aide à démarrer le moteur quand il est froid. Hey, c'est ça que je faisais mal. Ah, et ben tu m'auras appris quelque chose. Bon, continuons. La vitesse de coupe. Où il est encore passé, ce Vincent? Il a peut-être déjà fini? Pour faire mon portrait, ça prend du temps. Je vais regarder. Non, c'est écrit interdit au public. Je ne suis pas le public, je suis l'œuvre. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, regarde ce qu'il a fait. Oh, c'est toi ça? Ça te ressemble pas trop. Pas trop? Pas du tout, oui. Viens, il va m'entendre celui-là. On n'en serait pas là. Tu veux dire par terre? J'aimerais quand même bien savoir ce que c'est, son truc important. Moi, je sais où elle est, Martine. Je l'ai vu partir avec Vincent dans son triporteur. Ils allaient vers la cabane. Hein? Vous n'auriez pas vu ce gros nul de Vincent? Je le cherche. D'après ce qu'on sait, il est à la cabane. Avec Martine. Avec Martine? Oh, j'aurais dû m'en douter. Elle fait tout pour saboter mon œuvre. Pour enclencher. Non, Vincent, enclencher. Bah, tout à l'heure, ça faisait S. Ça dépend. Un C devant une consonne, ça fait que. Quoi? C'est pas vrai. Martine t'apprend à lire? Non, 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 c'est pas ça. Je sais déjà lire. Enfin, un peu. Quand mon père va apprendre qu'il emploie un illettré, il va te renvoyer et ce sera bien fait. Oh non, c'est pas possible! J'aime tellement mon travail! Émilie! Attends! Émilie! Quelle peste celle-là! Qui ça? Martine? Papa! Papa! Il a tout massacré! Et en plus, il sait pas lire! Il faut le renvoyer, c'est un nul! Mais qui ça? Vincent! À cause de toi, je vais être la honte du village! Il faut le renvoyer, papa! C'est pas de sa faute, Émilie. Toi, on t'a pas sonné. Ça suffit, Émilie, calme-toi. Je n'ai aucune raison de renvoyer Vincent. Il fait très bien son travail. Très bien son travail? Viens voir s'il fait très bien son travail. Regarde, t'appelles ça faire très bien son travail? C'est le taille-haie. Il faisait pas ce que je lui demandais. Évidemment, quand on sait pas lire. C'est méchant de dire ça. Vincent n'y est pour rien. Je m'en fiche. Je dirai au réalisateur que c'est Vincent qui a tout raté. Eh bien, justement, voilà notre artiste. Mon cher Georges Mériès, c'est une joie de vous revoir. J'allais vous retourner le compliment, monsieur le maire. Oh, mais c'est Martine. Tu es toujours aussi jolie. Et voilà Émilie. Toujours aussi... souriante. Comme je vous le disais dans ma lettre, j'ai demandé aux enfants du village de réaliser des travaux sur le thème du cinéma. Eh bien, voyons cela. Original. Je ne suis pour rien dans ce désastre.
Et en fait, je vous attendais. C'est moi, un star de cinéma. Un peu conventionnel, hein. Et tellement narcissique. Ça veut dire quoi, narcissique? Tu peux pas comprendre. Bah, écoute, c'était formidable, Vincent. Non mais, non seulement t'as fait de l'art, mais tu l'as fait en direct. Un vrai spectacle, un vrai talent, bravo. Oui, mais sans Martine, j'y serais jamais arrivé. Vincent, si tu as besoin d'autres cours particuliers, n'hésite pas. J'allais te le demander. J'ai vraiment envie de savoir bien lire. Et voilà. Quel est le titre? Western d'amour inachevé, sans escabeau et sans Martine. Ah, j'adore, j'adore. Et au fait, pourquoi sans Martine? Parce qu'elle avait un truc à faire. Oh mmh. Ha 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 ha!